fusillade ce soir dans un centre commercial à Munich. Selon les médias allemands, il y aurait des victimes. David Philippot, vous êtes à Berlin pour France Info. A-t-on des précisions maintenant sur le ou les auteurs des tirs? Et puis, est-ce qu'on a un premier bilan? Un premier bilan qui fait état de plusieurs morts et plusieurs blessés. La fusillade a eu lieu en fin d'après-midi dans une droguerie d'un centre commercial près du stade olympique de Munich, dans le quartier de Mozart. Un homme est entré, a ouvert le feu. Des témoins parlent de rafales. Ça a duré plusieurs minutes. Des clients sont donc tombés au sol et l'homme a ensuite pris la fuite en direction du métro où il s'est donc évanoui. Il y a eu un gros dispositif de policiers qui a été déployé autour de ce quartier. Mais pour l'instant, selon les dernières informations, l'homme reste en fuite. Nous n'avons pas pour l'instant, puisque cette fusillade a eu lieu il y a quelques minutes à peine, de renseignements plus précis concernant ses motivations, mais il est bien sûr possible de faire un rapprochement avec l'attentat qui a eu lieu pas très loin, à une centaine de kilomètres de là, en Bavière également, dans un train où un homme, un islamiste, a blessé grièvement 4 personnes avec une machette cette semaine. En Allemagne. Merci beaucoup David Philippot à Berlin pour France Info. Bien sûr, suivre et développer cette information tout au long de la soirée.